Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pour vous présenter la marque Megs. Cette marque, je l'ai découverte via donc la page YouTube de Sophia Elbow Beauty. Elle présentait donc un haut et quelques autres articles qu'elle avait eus via ce site et j'ai eu envie de passer une commande parce que j'ai eu un gros coup de cœur sur le haut noir qu'elle portait dans la vidéo. Donc j'ai acheté ce haut aussi et j'en ai pris d'autres, notamment celui que je porte là dans cette vidéo qui est un peu dans le même principe avec des petits volants comme ça. Par contre au niveau de la matière, c'est pas du tout la même matière, elle est plus fine et plus fluide on va dire, peut-être plus agréable à porter que le petit haut noir, mais voilà, ça ce sont les deux articles que j'aime beaucoup. Et sinon pour le reste, et eh bien pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai quand même été très déçue de ma commande puisque j'ai commandé pour quand même une sacrée somme puisque j'ai pris 4 articles en tout. Donc au niveau de la rapidité, on va dire que c'était modéré, c'est pas arrivé très rapidement, mais ce n'a pas été non plus très long. Donc je pensais que c'était un site français, en réalité ça ne doit pas l'être puisque quand on reçoit son colis, on a cette petite fiche qui est fournie avec, qui est une fiche complètement en anglais. Donc si vous n'êtes pas bilingue déjà, vous êtes mal barré. Et ensuite, quand on prend le temps de lire derrière et qu'il y a un souci, pour retourner, il faut quand même savoir que c'est à nos frais et qu'il faut renvoyer ça à l'étranger. Donc autant vous dire que ce n'est pas possible. Donc on se dit qu'on l'a dans le baba. Et donc c'est un petit peu mon cas. Donc le premier article que j'ai acheté, comme je vous disais, c'est ce haut là. Donc il devait coûter à peu près une quinzaine d'euros, je crois, de mémoire. Le haut noir qui suit ensuite, c'est la même chose. Donc ça, c'est celui qu'elle portait dans sa vidéo. Je pense que vous n'allez pas très bien voir. Mais voilà, il a des volants aussi. Donc ça au niveau de taille, j'ai tout pris en XS puisqu'elle disait que sa taille est bien, qu'elle faisait du XS, et comme j'ai à peu près la même morphologie que Sophia, j'ai pris les mêmes tailles et donc j'ai continué à prendre les mêmes tailles pour le reste. J'ai eu aussi envie de passer commande pour une maxi dress. Donc la voici. Donc là pour vous dire la blague, c'est que sur le site elle n'était pas du tout de cette couleur. Ensuite il vous envoie la petite carte qui l'accompagne et ce n'est pas non plus la même couleur. Là on a un peu un rose poudré, c'est vraiment très joli. Et on se retrouve avec cette chose, voilà, qui est un espèce de saumon dégueulasse. Voilà, moi j'aime pas du tout cette couleur. Sans ça elle est très jolie, hein, au niveau de la finition rien à redire. Le seul souci c'est que c'est pas du tout ma taille. Voilà, donc moi j'ai pris un XS mais de toute façon elle ferme pas du tout, il reste au moins ça pour fermer dans le dos, c'est incroyable. On a juste l'impression d'être obèse avec ce truc. Donc j'aurais peut-être dû le prendre 3 tailles au-dessus pour avoir éventuellement la possibilité de la fermer dans le dos. Mais sans ça au niveau de la longueur c'était pas mal. Mais voilà, cette couleur c'est juste pas possible du tout. Donc ça bah, de toute façon je vais pas pouvoir la remettre ni la retourner. Donc voilà. Et alors je vous garde quand même la blague la plus drôle pour la fin. Donc c'est ce pantalon que vous n'allez pas très bien voir non plus puisqu'il est noir. Pareil, il ressemble pas du tout à ce qu'il y avait sur le site. Il est en matière un peu je sais pas comment vous décrire, un peu feutrine. Il a des rayures qu'on voyait pas du tout sur la photo du site. Et alors là c'est carrément une blague quoi, parce que pour vous montrer la taille du truc, même ma petite nièce qui a 14 ans, je pense qu'elle rentre même pas là-dedans et pourtant je peux vous dire qu'elle est super fine. Donc là, à moins d'être anorexique ou éventuellement d'avoir de 8 ans à 10 ans, vous ne rentrerez pas dans ce truc là. Donc grosse déception aussi, de l'argent mis en l'air. Sinon, ça arrive donc dans une enveloppe comme ceci, voilà. Donc bah, ils vous disent de retourner vos articles là-dedans, hein, quand vous avez besoin et que vous avez les moyens, puisqu'il faut quand même envoyer ça à l'étranger, donc vous en avez pour plus cher que votre commande. Et voilà, donc l'emballage est vraiment pas tip top. En plus en général bah, pour l'ouvrir on est forcé de le déchirer, donc pour envoyer là-dedans bah, c'est pas franchement évident. Donc voilà, donc bilan très mitigé pour cette marque. Néanmoins je ne sais pas quoi faire puisque j'aime énormément quand même le principe de la maxi dress qui existait aussi dans d'autres couleurs. Donc je pense encore une fois que les autres couleurs ne seront pas du tout similaires à ce qui est indiqué sur le site, mais peut-être que si je pars
pas dans un rose mais plus dans un beige. Je tomberais peut-être plus dans quelque chose de plus esthétique. Et il la faisait également en noir. En noir par contre je pense que c'est un petit peu dommage pour une robe comme ça. Donc je sais pas si je vais repasser commande en prenant trois tailles au-dessus et en la prenant en beige ou pas. Mais voilà, bilan un petit peu mitigé. Je pense que si vous avez envie de commander des hauts, n'hésitez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça taille correctement. Par contre, si vous commandez des bas ou des robes, attention. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous envoie comme d'habitude plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !